نيت يلا تين كم اسبر كي تما ديو فوالا Voilà, nous sommes en train d'expérimenter comme ça un très joli coucher de soleil de ce côté du pays. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité et la magnificence de son nom. Mon ami, doucement, hein, j'ai encore des nations à convertir à Christ. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Je voudrais m'adresser comme ça à toutes les populations de l'Ouest. Le matin, notre direct a été interrompu. Toutes les populations de l'Ouest, les habitants de Tchang, les habitants de Bafoussam, les habitants de Mbouda, les habitants de Bamenda, les habitants de... Où encore, Armand? Les habitants d'où encore? Hein? Le Bafan, voilà. Balevin, Babadjou, Bamendjou, en tout cas tout l'Ouest, tous les habitants de l'Ouest, nous avons rendez-vous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ le 14 et le 15, donc mardi et mercredi, au niveau du foyer, la maison du parti RDPC à Tchang, dans la ville de Tchang. C'est une ville universitaire, je voudrais m'adresser à tous les étudiants de la ville de Tchang. Nous avons travaillé d'arrache-pied, je veux dire merci au reverend Bassama, qui est en mission actuellement du côté de Tchang, qui s'est rassuré que Zoé Channel puisse être dispatché dans toute la ville de Tchang. Donc par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes préparés, c'est-à-dire que j'ai hâte d'arriver chez vous à Tchang. Je peux mieux ça. Donc j'ai hâte d'arriver dans la ville de Tchang parce que je ressens en moi que Dieu fera de grandes choses. Je ne sais pas quelle est l'alliance de cette ville avec Dieu, mais il y a des anges qui nous ont déjà précédés, mais je ressens en moi une nostalgie prophétique. C'est le genre de nostalgie que quand je ressens, c'est dangereux. Ça veut dire que le programme sera très dangereux. Des âmes seront sauvées, des âmes seront ramenées à Christ. Et surtout, prophétiquement, des secrets profonds seront dénoncés. Des secrets profonds seront dénoncés. Ça, je vous dis la vérité. Il y a des choses que j'ai commencé à voir qui vont arriver pendant ce programme du côté de Tchang. Donc, si vous êtes à Tchang, s'il vous plaît, ne manquez pas. Nous sommes là le 14 et le 15. Tous les soirs à partir de 17h dans la maison du parti RDPC. Ne manquez pas. Et si vous avez de la famille du côté de Tchang, je vous encourage à dire à tous vos amis, vos membres de famille, d'être à Tchang, la maison du parti, le 14 et le 15, tous les soirs à partir de 17h. Ça sera redoutable et puissant. Ce que je ressens est très fort. Je suis un prophète. Et en tant que prophète, lorsque nous sortons, les programmes d'habitude, moi je les vis avant même. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de prophètes vont confirmer. Avant que je ne sorte, je vis d'abord le programme. Je sais qui va venir. Je sais qu'est-ce qui va se passer. La plupart des personnes, il y a des informations prophétiques que le Saint-Esprit a commencé à me donner en journée aujourd'hui. Parce que plus je prie pour la ville de Tchang, plus je prie pour le programme et plus je vois des choses. Et je voudrais dire aux habitants de Yaoundé, qu'après Tchang, nous descendons ici le 17, vendredi le 17, c'est la nuit des flammes. Bien-aimés, soyons sérieux avec Dieu. La nuit de prière, c'est sacré. La nuit de prière, c'est un signe d'amour, un signe de consécration. Ne manque pas à cette nuit de prière. On vous cherche au Togo. Qui a dit ça? J'arrive au Togo. Mauricio Junior, je viens au Togo. Vous savez, on a passé des moments adorables au Togo, je vous assure, le Togo me manque. Donc j'arrive au Togo, le pasteur va vous dire, je vais annoncer, dans quelques mois là je viens, quelques semaines même, je serai au Togo. Donc les habitants de Yaoundé et ses environs, tu peux voyager pour venir à la nuit de flammes qui aura lieu ce vendredi.
ce vendredi 17 mars à partir de 21h. Vraiment, respectons nos traditions. La nuit de flamme, c'est une tradition. Ne manque pas cette nuit de flamme. Toi et ta famille, habituons nos enfants à la présence de Dieu dès leur bas âge. Quand ils grandiront, ils ne se détourneront point des voies droites du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Donc, tous ceux qui seront et dimanche, nous avons le culte des libéralités à l'éternel. Oh, c'est la fête. Dans toutes nos églises, c'est la fête. Mais je n'ai pas pu visiter des églises comme Tui pour la libéralité ou bien Bertois. Nous aurons notre culte de libéralité dans ces zones-là, même en Ngaoundéré. Le mois prochain, je serai en Ngaoundéré, s'il plaît à Dieu. Donc, bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en prie, préparons-nous, même ceux qui sont en direct, participez au culte de libéralité et le programme de chant. Soyez connectés en direct et voyez ce que la main de Dieu fera comme délivrance dans votre vie. Dieu va nous surprendre, Dieu va te surprendre, je t'assure. Bien-aimé, Dieu va te surprendre. Si tu as Tchan, c'est que Dieu t'aime. Dieu aime les habitants de Tchan. Je vais bénir les autorités administratives de Tchan et surtout le sous-préfet parce que mon fils m'a dit qu'il a demandé pourquoi le prophète de Kané, depuis là, n'est pas venu à Tchan. Pourquoi il a abandonné Tchan. Donc, par la grâce de Dieu, chaque chose, Dieu l'a fait en son temps. Donc, je serai à Tchan. 14 et le 15 avec toute mon équipe. Je vais dire merci à toute mon équipe et merci à toute la délégation qui, de manière volontaire, s'est engagée à louer un bus pour se rendre du côté de Tchan. Je vous loue en cela. Normalement, partout où je vais, ceux qui ont les moyens devraient être avec moi là-bas. Jésus est accompagné d'un groupe de femmes et de ses apôtres. Il ne voyageait jamais seul. Donc que Dieu vous donne cette maturité. Au nom souverain de Jésus-Christ, amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom.